Télé image, je ne veux dire gain un réel plaisir, quand même dit un honneur pour nous gagner ensemble avec nous sur plateau. Et eh ben une légende. Une légende dans sport haïtien, dans football haïtien. Et depuis me dit ça, nous tout nous connaît qui est m'a parlé. Monsieur ça passé le présentation, mais à tout seigneur, tout honneur faut présenter le comme ça doit. Parce que me penser que je ne veux dire, c'est un ambassadeur de ti ça qui rete nous comme fierté. Si ça qui était nous et eh ben comme belle bagaille que nous t'ai fait et eh ben je voulais dire il là avec nous pour parler de passé et de présent et surtout présent qui intéresse nous et c'est avec un petit plaisir que n'a pas accueilli monsieur Mano Sano. Mano, bonsoir, bienvenue. Valerio, moi salue vous, auditrice, auditeur, moi salue nous tous, c'est vraiment un plaisir pour moi pour première fois m'entrer dans Kaila. C'est ça, ah, mon cher, son plaisir pour nous. En cher Kaila recevoir avec un petit plaisir faut me dire ça. Et eh ben ça fait nous chaud au cœur pour nous Mano Sano qui était jeune quand même, qui était jeune et moi ou toujours frappé ou toujours le football Mano. Bon, et rester jeune 55 ans. Wow. Bon, ou mi-jeune, mi-vieux. Bon, je suis souhaité mi-jeune. Je fais activité physique. Okay. Je suis entraîneur. Actuellement, je prépare jeune team en Floride. Uh-huh. Et ou obligé à faire des activités quand même, malgré que je n'ai pris les précautions physiques à cause des résidus. Car il y a ça qui est vraiment très difficile. C'est ça, très difficile, nous connaissons ça, son carré qui n'est pas facile. Mais au niveau santé ou en forme, santé bon, en bon, d'après docteur, organes importants sont en bon état, cheville n'est pas bon, genou n'est pas bon, mais côté ça est capable de supporter. Après ça, l'autre organe vraiment qui est très important pour qu'un bébé en vie est en bon état. Il est en bon état. Bon, nous souhaitons ça. Grâce à Dieu. C'est ça. Maintenant, souhaiter que eh ben, cheville est bon toujours, ni genou, en tout cas, comprendre. Après tout le temps, ça, le footballeur a joué au football, eh ben, ou les ballons, bon, bah, facile et muscle usé finalement. Bon, si tu es attaquant ou ton danger public pour tout défenseur, tu es obligé de jouer avec un CV pour t'imposer ou faire ça ou une pour faire, ou même tout, ou tu es obligé d'engager tes tout à 100% pour vraiment réaliser ça. Pour réaliser. C'est ça. Et pendant qu'on parle d'engager tes tout pour réaliser ce que tu as réalisé, ou tu as réalisé un exploit extraordinaire, un exploit mondial, côté que moi-même, tout ma Jean Bouquet-Dil, haïtien fait des grandes premières dans tout domaine. Et dans l'histoire, nous connaissons, bon, tout le monde connaît, nous fait grande première, premier peuple noir, et bien, parce que le premier fort est by gardien de but ça. Goal ça que tu prends, ça t'est vexé en pile monde. Mais que nous-mêmes, comme haïtiens, et tout le reste peuple noir, tu es content que c'est moi haïtien. Et c'est Mano ça, non? Ou même Digitala qui t'a fait exploit ça. Nous avons retourné dans l'année, on va préciser pour nous, année, un moment, fais-nous revivre le moment ça, Mano ça, non? 15 juin 1974, c'était un jour d'après un pile historien. Mon capsule sport qui était un moment historique dans l'histoire du pays. Ça fait ça. Dinosaure, on a gardé l'italien. Monsieur Gain, 2 ans avant le jour ça, et personne n'a jamais été capable de faire un gol. L'équipe a été champion de la Coupe d'Europe. Après, ils ont joué un peu de match amical, ils ont joué éliminatoire Coupe du Monde. Ils ont qualifié personne n'a jamais vraiment percé filet, monsieur. À l'époque, dans le groupe Haïti-TIA, nous sommes capables de dire Jean-Vigny Lelcounia en groupe de la mort. Pologne, Italie, Argentine, Haïti. Et le nous arrivé en Allemagne sous place dans la Coupe du Monde, les journalistes européens surtout, ils pas de pensée, malgré la posée de cette question, hein, qui est ce monde qui pourrait vraiment éliminer l'invisibilité. Pas de nous qui était passé avec nous petit haïtien, cette graine qui sont dans Haïti. T'es capable de réaliser l'exploit ça. Ils ont nommé une série de joueurs sud-américains et européens pour eux-mêmes qui sont capables de faire ça. Mais ils ont ignoré nous complètement. T'as coup, comme tu as dit, Haïti sont cadeaux de faire ça. Pour les parmi 16 équipes là, c'est pas vraiment sous effort nous, sous sujet nous, nous sommes arrivés là. Nous avons pris une attitude ça personnelle. Et nous avons dit, malgré que je n'ai pas fait confiance là avec personne, je me dis si je veux une chance, je vais faire un bouchon. Et bah oui. Et je suis dit que je fais. Ça c'est bien. Je ne pas dire personne dans mon équipe là. Non, bon. Je ne vais pas faire des bouchons que monsieur. On a le bail-goal ça. Et bon, nous allons jouer. Nous allons jouer pour nous. Travail mon équipe là, c'est bail-goal. Okay. Mais vraiment, connaissant l'importance de l'équipe italienne là, connaissant le palmarès de l'équipe ça, l'étape m'a dit à l'audace.
pour me partager et ce sentiment ça avec personne. Mais quand même au fond de moi-même, j'ai un petit espoir. Imaginez l'autre coéquipier, t'a dit ah, soit dit là. Il a couru, il a dit mon chauffeur. Et ça peut-être moralement tout est écrasé peut-être. Et pas quoi, il était très confident dans moi-même. Parce que depuis avant match ça, presque tout goal qui bail, moi j'étais comme ça. Et pas seulement coéquipier, tout pays, tout haïtien des confident. Tout Caraïbes là. Tout Caraïbes là, tout pays noir était confident dans moi. Bon, quoi responsabilité à être très lourd. Très lourd. À 22-23 ans. Et 23 ans. Et c'est une responsabilité qui est tellement lourde, je te prends ça à cœur. Wow. Ah, c'est ça, c'est à cause des responsabilités ça, je suis capable de dire que je n'ai pas de grande jeunesse, toute jeune, tu es qui tu es. Ça veut dire que depuis à 19 ans. Il y a plus de pression sur vous. Depuis à 19 ans, c'est mec qui est équipe. Ça veut dire que je suis de Alaïsa, je suis de Bayana la Via. Je ne peux pas profiter de vous. À cause, je suis obligé de faire sacrifice là. Et pour condition physique, maintenant en état. Okay. Et pour moralement, on est capable de performer pour un bon résultat pour m'espérer. C'est une belle équipe, le SA et bien Haïti. Et moi, bon, nous disons que c'est une belle équipe nationale haïtienne. Nous avons permis de dire moi-même. Et peut-être que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Bon, oui, ça me dit la guerre, puis nous avons une opinion différente. Bon, c'est opinion pas, c'est opinion pas. C'est opinion pas, moi, endosser le tout. Mais ça que fait me dire ça, c'est parce que nous avons c'est ton travail d'équipe. Parce que pour moi, nous avons fait goal, ça que nous avons regardé là, pour nous revivre. Tu as un travail d'équipe. Tu as une belle passe. Qui te bail, tu es un jeu de terrain et Manosano arrivé délivré. Bon, avant passe là. Expliquez-nous. Oui, avant passe là. Depuis du passe là, on sait qui vient de tête. Tout le monde, c'est Philippe Pop. C'est ça. Mais quoi, avant passe là, il y a deux autres monde qui fait des actions extraordinaires. Okay. Premièrement, Facchetti, qui est arrière latéral gauche italienne, équipe italienne, pour aller faire un centre en face de Goldon. Pierre Bayonne, qui est arrière latéral droit, tacle le jeu. Ça veut dire que qui pose ça là fait chef à qui était fait là ballon a dévié sous tête qui est allé tomber sous tête Nazaire qui rebondit dans le pied Philippe Vaux. C'est là ça tout le monde passe là mais deux joueurs ça yo c'est commencé yo c'est ça et c'est là on a parlé de travail d'équipe c'est travail d'équipe. Et puis là ou même mais non honnêtement le ballon n'a pas d'image là ballon dans pied ou approcher terrain là ou qu'on on prend font action. Est-ce que dans tête dans moment ça qu'on va marquer goal ça et tant que j'aime ce dollar 4-5 ans avant, toute goal sélection à Sébastien Combaillot, il y a un peu de monde qui pose la même question. Est-ce que je ne suis pas intimidé? Oui. Est-ce que je ne suis pas. Mais est-ce que je ne suis pas peur? Non. C'est une génération à l'époque, en Haïti, génération qui était faite dans le début, dans la fin 40, début 50, nous sommes en 51. Okay. Et le nouveau vivé à fleur d'âge, non, qui est capable de dire que nous sommes en Haïti, à teenager, pays, sa jeunesse, l'été, jeunesse a évolué, c'est très complexe. Très fougueuse. C'est complexe. Football en bord, mini jazz en bord, basketball en bord, volleyball en bord. Ouais, et ouais. Bon, malgré la situation politique qui est terrible dans le pays, mais nous ne pas sentir ça. Ça veut dire qu'en tant que jeunes, nous avons évolué dans le cadre, nous sentons dans le pays, nous très à l'aise. Okay. Nous pas de complexe, nous d'infériorité devant personne. Nous offrons de mettre Jésus-Christ sur ça, nous avons le goal. Ah, ça c'est bien dit. Même mais ça que nous parlons la vidéo pour nous moment historique ça à côté que bon nous ouais moment ça déjà mais toujours bon pour nous ramener moment ça à nous pour nous même jeunes qui a regardé jeunes sportifs peut-être et même sous pas sportif pour regarder et ben qui sont Haïti dans moment ça à travers et ben monsieur ça les jeunes ça ensemble avec nous Mano Sano mais qui s'en réalisé et comprendre que importance et m'ta dire même et Zach lui même qui fait là qu'on va regarder à ligon libral déroulé son pile bagaille côté que Haïti vient encore une fois. Yo reconnaître les sous-cartes internationales. On a regardé et puis on a tourné, on a continué avec Mano Sano. La balle qui soit, la fin du port qui lance en avant. Parce que les biens sont chauds, Mano Sano est.